Denise et le monstre d'Écarie. Auteur Mary Whitman, illustrateur Willy Crock. Tu verras quand je serai grande et que tu seras petite. Denise a 4 ans. Elle est fâchée après maman. Ce n'est pas drôle d'être un enfant. Fais ceci, pas cela. Va te brosser les dents. Pourtant, Denise est grande, haute comme 20 pommes. Mais il lui faut encore grandir, il lui faut encore obéir. Tu verras, elle ne sait pas encore ce qu'elle fera, mais sa voix est menaçante. Un jour, elle prendra la place de maman, et alors, attention. Maman sourit, Denise monte sur la chaise devant le lavabo. Elle attend d'être seule et prend sa brosse à dents. Flûte, zut et crotte. L'eau est mouillée, le dentifrice sent la menthe. Denise déteste la menthe. Elle serre très fort le tube et la pâte bicolore tombe dans le lavabo. Tant pis. Elle frotte la pâte avec sa brosse à dents et rince avec l'eau du verre. Maman n'en saura rien. Chouette, Denise a désobéi et ses dents restent bien à l'abri dans sa bouche. C'est l'heure d'aller au lit, mais elle n'a pas envie. Tout est bon pour retarder l'instant où maman éteindra la lumière. J'ai soif. Pipi. Encore un bisou. Maman fait sa voix de sorcière. Maintenant, tu dors. La porte est restée entrouverte sur les bruits du salon où papa regarde la télévision. Denise, les yeux ouverts, cherche encore la lumière. Si elle ferme les paupières, il fera vraiment noir. Derrière la porte, il y a une ombre, un fantôme. Un monstre prêt à bondir. Denise serre très fort sa poupée et la rassure. Je suis là, dors mon bébé. Elle écoute de toutes ses forces. Ses oreilles grandissent et bougent, ses yeux percent la nuit fixés sur le coin sombre. Elle arrête de respirer. Son cœur bat trop fort. Pourquoi a-t-elle si peur ce soir? On a bougé. Non, c'est papa qui s'en va se coucher. Elle écoute chaque bruit qu'il fait. Quand les parents s'endorment, la maison se réveille et les monstres sortent des placards. Heureusement, elle a fermé le coffre à jouets et toutes les portes de l'armoire. Denise sait qu'ils vont venir. Ils emportent les enfants qui ne dorment pas. Vite, il faut dormir. Denise est minuscule dans son lit, à peine plus grosse qu'un chou. Elle avale sa salive. Elle a envie de pleurer. Parmi les monstres de la nuit, il y a des caries. Denise pince très fort ses lèvres. Elle se souvient des mots de maman. Si tu ne brosses pas tes dents, tu auras des caries. Elle est certaine que des caries attend le bon moment pour attaquer ses dents. Elle l'imagine noire et velue, armée d'une pioche pour creuser sa caverne. Denise le devine à l'assaut de la table de nuit. Vite, elle bondit hors du lit et en tâtant les murs, elle se glisse dans le couloir. Cric-crac dans ma baraque. Elle a atteint la salle de bain, allume la lumière et repousse la porte. Vite. Denise se brosse les dents, elle s'applique. Sa langue glisse à leur surface. Alors, elle s'en retourne dans le noir, les bras en avant, les yeux fermés pour ne pas voir l'obscurité, la bouche grande ouverte pour faire fuir des caries avec l'odeur du dentifrice. Et, sitôt couchée dans son lit, elle soupire et s'endort. Demain, maman ne dira rien. Elle sourira lorsqu'elle découvrira la brosse à dents sous l'oreiller.